Ouais. 5. Est-ce que ça mange un poney, la paille, le foin, tout ça? 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes, plus les accompagnants pour mettre les gamins à cheval. D'accord? Une équipe qui brosse. Une agitation peu commune règne au centre équestre La Renaudine. Ce n'est pas tous les jours que l'on accueille près de 50 petits schtroumpfs pour une matinée ludique et pédagogique. Alors on s'active, tout doit être fin prêt pour l'arrivée de ces petits à la découverte du poney. Toute l'équipe, cavalière, monitrice, se sont rassemblées pour souhaiter la bienvenue au centre de loisirs Pasteur Daudet de Tarbes. Une idée de sortie qui a l'air de séduire tous ces gamins là. Oui, beaucoup oui. Surtout si une tranche d'âge, les 3-4 ans, ils aiment beaucoup ça et les parents n'ont pas forcément les moyens de leur faire connaître ça. Donc voilà. Cindy connaît bien le sport équestre. Ancienne compétitrice de haut niveau, Cindy sait qu'à La Renaudine, on ne se contente pas de faire faire une balade aux petits. Sous la direction d'Annie et Marie, les deux monitrices, toute l'équipe a concocté des ateliers ludiques, pédagogiques, 4 ateliers précisément. Le premier, la découverte de l'animal, les soins, la préparation. Et l'approche est souvent difficile, pensez donc, l'animal est imposant. Alors on le caresse tout d'abord de loin, puis on s'approche, on le brosse, on lui parle, on fait connaissance. Et nos petits s'aperçoivent que le poney est très docile, très joueur. Alors tout le monde prend plaisir de cette découverte. Pour la plupart, c'est une première. Un autre des ateliers proposés consiste à faire découvrir le centre équestre, les carrières où évoluent les poneys, la sellerie où est rassemblé tout l'équipement des cavaliers et poneys, tapis, selles, sangles, étriers. Puis on passe au logement de ces 25 poneys du club, les boxes de 4 mètres par 4, l'alimentation, la paille, le foin, bref, la vie d'un club équestre. Vient ensuite le moment tant attendu par tout le monde, la monte. Ajustement du casque obligatoire, explication de la méthode à suivre pour avancer, s'arrêter, le tout sur un circuit bien précis. Un tracé à suivre, une porte à franchir, on attrape une balle et on la lance dans un seau. Tout cela demande un petit peu d'adresse qui a beaucoup plu à tous ces boutchous. Mais c'est très intéressant à faire parce qu'on voit que les petits ont très envie de faire plein de choses, de découvrir l'équitation, de découvrir le monde du poney, de caresser, de jouer avec eux. Et les poneys sont même très joueurs et très affectueux avec ces enfants. Est-ce que tu avais déjà fait du cheval? Oui. Et moi, du poney. Ouais, et c'est la 2, la 3, que ça va. Allez, à la télé, à la 2, la 3. Voilà. Faire du cheval. Ouais. Et alors comment t'as trouvé ça?
génial. Génial. J'adore le poney. Ah, c'est bien. T'en avais déjà fait? Oui. Ouais. J'en ai fait au stade de Noël et je sais plus quoi. T'as pas eu peur? T'as pas eu peur? Oui. Non, j'ai été sur un âne avec mon papa. Ah ouais? Oui, et puis j'ai eu peur parce qu'il bougeait trop. Ah ouais, jusque là ça bouge pas là, hein? Oui. Ah c'est super. Quand on met les plots. Je suis passé sans toucher les barres. Sans toucher les barres. Qu'est-ce que t'as dû faire entre les deux chandeliers, entre les deux poteaux? T'as dû faire quoi dans ma main? T'as dû me la taper. Oui. Mais t'as fait du cheval, t'es tourné. Et après, on t'a arrêté. On a pris le bal, on l'a mis dans le taux. T'avais déjà fait du poney? Oui. Ouais? T'as pas eu peur? Hein? T'as pas eu peur? Non? Non. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient contents. Ils regardaient le chemin. Ils étaient contents. Ils croyaient voir les chevaux au loin. Oh. Et non, ils étaient très contents. Ouais? Une belle expérience pour eux? Oui, je pense. Surtout pour ceux qui sont un peu agités, ça les calme. Début. Ouais. C'est intéressant avec ces gamins? Oui, ça leur fait découvrir le monde du cheval. C'est bien pour eux, contact des animaux. Il y a quelques-uns qui ont eu un peu peur, qui ont d'abord bien regardé, caressé, on a discuté un petit peu. La peur, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, on leur explique. Et après, c'est parti, ils veulent plus redescendre le poney. Il y a plein d'enfants qui ne voulaient pas monter. Et finalement, je crois qu'ils ont tous mis les fesses dessus, ils ont fait un peu de voltige. Ils ont conduit tout seuls, ils ont visité un peu tout ça, c'était sympa. Hein. C'était sympa, j'espère qu'ils reviendront. En tout cas, ça a amené un plus à tous ces gamins, ils sont ravis. Ah oui, ils sont vraiment contents. Le lundi suivant, nous avons reçu deux autres groupes du centre de loisirs Léo Lagrange de Bordères-sur-les-Chaises. Tous ces petits sont repartis des images plein la tête, avec de belles histoires à raconter. Chacun de nous.